Aujourd'hui, nous avons le plaisir et même l'obligation d'attirer l'attention non seulement des militantes et militants du RPG, mais d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Les manifestations, le droit à celles-ci est reconnu dans la Constitution. La manifestation ou les manifestations pacifiques, des manifestations encadrées, des manifestations qui doivent être annoncées en précisant le nom et l'adresse des organisateurs, en précisant le temps et l'itinéraire de ces manifestations. C'est à ces conditions que les forces de l'ordre au nom de l'État ont le devoir d'assurer les personnes, de protéger les personnes et leurs biens. Mais quand les manifestations ont pour but de créer le désordre, d'appeler à l'insurrection, là, les droits ne sont plus constitutionnels et l'État a le droit régalien d'établir l'ordre. Le 14 octobre, les appels de l'opposition étaient clairs. Non seulement ils demandaient à tout le pays de manifester, ils demandaient à tout le monde de créer de la fumée dans sa concession. Ils demandaient à tout le monde que si quelqu'un pouvait rejoindre son bureau le lundi, c'est qu'ils auraient échoué. Ils nous ont donné 3 jours, le lundi, le mardi, le mercredi, et le mercredi, ils devraient faire leur baptême. Mais quand il y a avortement, que le maman nous excuse, on ne fait pas de baptême. Et c'était d'autant plus inquiétant que Air France, qui n'a jamais interrompu ses vols, même pendant Ebola, ce jeudi, Air France a cancellé, a annulé son vol sur Conakry. Et le vendredi qui a suivi, contrairement à son itinéraire habituel, Air France a fait Paris-Nouakchott, Nouakchott-Freetown, Freetown-Nouakchott pour changer d'équipage là-bas avant de rejoindre la Conakry. Il y a eu même dans l'avion des stewards, des femmes qui sont des hôtesses de l'air, ont eu même la maladresse de dire, quand les passagers se sont demandés mais qu'est-ce qu'il y a, il y a eu des hôtesses qui ont eu la maladresse de dire, vous ne savez pas qu'il y a risque de coup d'état en Guinée. Voilà le vrai but de Sidi Yaya Touré et de Sérouda Diallo. Ils ont échoué. Je l'ai entendu dire que la foule de jeudi ne pouvait résister, aucune force ne pouvait le résister. La réponse est que il confond foule et peuple. Il y avait une foule à Conakry, une foule à Mamou et une foule à Labé. Le peuple de Guinée, c'est de Gaza à Yomou.
Nous ne demandons pas deux choses, une seule. S'ils sont si conscients, si convaincus de leur bon droit, il y a une seule question. On demande au peuple de Guinée, oui ou non. C'est aussi simple que ça. Et ils ont dit que si nous arrivons à faire 10% de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'il va nous rejoindre encore. Je le réponds qu'il n'a plus de place avec nous. Quand on vous dit, lui il est un peu plus orthodoxe, il dit si vous faites le tiers et qu'il va nous féliciter, eh bien, le jeudi ou le jour de l'arrivée du président, nous attendons la félicitation de Frère Ousou. Mais pire que ça, mes chers sœurs et frères, là, on est très sérieux, nous vous invitons à la vigilance. Le Libéria a voté, a connu la guerre. La Sierra Leone a connu la guerre. La Guinée-Bissau a connu la guerre. Le Sénégal a toujours des disputes dans son sud. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Le Mali est en guerre. Il y a des phénomènes qui ont commencé en Guinée. C'est 140 et quelques personnes, jeunes gens, qui ont des amulettes sur leur corps, des antibas, qui disent qu'ils sont des ouvriers ou des travailleurs d'une société Internet. Est-ce qu'on a besoin de pare-balles pour aller sur Internet? 214 ont été aussi appréhendés à Sigiri. 80 et quelques ont été arrêtés hier à Cancan. On y signale quelques dizaines aussi à Fria qui viennent ensemble, qui sont logés ensemble, qui mangent ensemble. Qui les a fait venir? Qui les loge? Qui les nourrit? Au nom de la direction nationale du parti, nous demandons expressément au gouvernement et aux services de sécurité d'aller au fond et au tréfonds de cette affaire et quiconque serait de près ou de loin lié à cela, qu'il soit mis hors état de nuire parce qu'il s'agit de la sécurité de la Guinée. Et quand ça commence à parler, nous avons appris qu'il y a des leaders déjà qui commencent à prendre des billets pour aller voir du côté de Paris. Même s'ils font jusqu'à Honolulu, le peuple de Guinée les rattrapera. Il faut que nous soyons vigilants. L'objectif était clair. Monsieur Séroudal et Sidiya Touré, les docteurs Séroudal et Sidiya Touré doivent conclure à l'avortement de leur bébé. C'est pourquoi il n'y a pas eu de baptême. Nous allons faire un baptême. On va faire un baptême le jour du retour de notre champion. Le peuple, le procès Alpha Condé jouit d'une légitimité. En 2015, le professeur Alpha Condé a bénéficié d'à peu près 60% des suffrages exprimés pendant les présidentielles. Souvent, j'entends que CEO est l'égal d'Alpha. C'est pas parce qu'on a joué avec le champion qu'on est champion. Tu joues avec le champion, même qui est perdu, qui n'est pas champion.
Tu es battu une fois par le champion, tu n'es pas champion. Tu es battu deux fois par le champion, tu n'es pas champion. Sébular n'est pas le champion de la Guinée. Il est le champion du désordre. Il est le champion des dieux. Il est le champion des cartes. Oui.